C'est ainsi donc que la rue a commencé à reprendre activité timidement et le pays allait toujours en deuil et c'est ça l'actualité. Pendant ce temps, gagner et autorité même qui travaillent pour essayer de faire lumière sous Zach assassinat président républicain Jovenel Moïse Pierre-Marie Dadout. Bon, José m'a fait une petite lecture sur position, Météra, lui. M'a fait une lecture sur conférence épiscopale d'Haïti, qui était fait sortir. Ou gagne lui? Hier, on t'a note là. Eh bien, ok, donc sous ta gagne, m'a fait à lui là, et puis tu as fait conférence là. Et puis, alors, 8 juillet, de Maître Erard Louis. Café civique du 8 juillet 2021. Aucun crime ne doit rester impuni, sinon c'est la porte ouverte au totalitarisme. Pour traduire notre esprit et notre sentiment d'appartenance à l'amour du prochain, c'est-à-dire à chaque compatriote, nous faisons notre la conférence, note de la conférence épiscopale sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Et qu'on gagne, vous joignez? Vous joignez? Parce que vous gagnez un gaba ou lui? Hein? Donc. Du 6 au 7 juillet 2021. La CEAH déplore et condamne ce meurtre inadmissible et révoltant et présente ses sincères condoléances aux parents et amis du couple présidentiel. Que l'âme du défunt repose en paix et que la première dame recouvre promptement la santé. Ce triste événement vient marquer un tournant regrettable de notre histoire de peuple, malheureusement dictée par le choix délibéré de la violence, fait depuis quelque temps par beaucoup de secteurs de la population comme méthode de survie et de règlement des différends. La violence ne peut qu'engendrer la violence et conduire à la haine. Elle n'aidera jamais notre pays à sortir de cette impasse politique qui ne pourra se résoudre qu'à travers le dialogue, le consensus, l'esprit du compromis pour l'intérêt supérieur de la nation, pour le bien commun du pays. Une fois de plus, la conférence épiscopale d'Haïti invite tous les fils, toutes les filles du pays à dépasser leur orgueil personnel et leurs intérêts de groupe pour chercher ensemble autour d'une table la solution haïtienne tant attendue par la population, dictée par l'amour d'Haïti et nos valeurs de peuple. Déposez les armes, optez pour la vie, choisissez enfin le vivre ensemble, fraternel dans l'intérêt de tous et dans l'intérêt d'Haïti. Que Jésus, par l'intercession toute puissante de la bienheureuse Vierge Marie, notre Dame du Perpétuel Secours, notre patronne et notre protectrice, nous viennent en aide et libèrent Haïti des liens de la haine et du mal. Donné à Port-au-Prince le 7 juillet 2021, et c'est Monseigneur Launay Saturnet et archevêque métropolitain du Cap Haïtien, président de la CEH, qui même mettait dans ça d'ailleurs, même gens avec en pile l'autre secteur Pierre Martin. Secteur de la société civile, secteur politique qui eux-mêmes mettaient des notes dehors dans l'idée pour témoigner, ou du moins voyez sympathie à la famille Moïse qui lui-même bon, pays à tout, qui
qui prend un gros coup dans l'histoire pays. Bon, et qui mettez à lui, je dis à ses neuf, et qui dit nous bonjour. Bon, j'ai dit le monde entier bonjour. C'est Café Civique. Qu'on le veuille ou non, le meurtre du président de la République, Jovenel Moïse, est un crime prémédité et planifié. Pour éviter au pouvoir occulte le droit de force, d'assassiner, de tuer, qui le veut, quand il le veut, où il veut, pour les raisons qu'il veut, nous exhortons le premier ministre nommé Ariel Henry, au nom de l'article 52.1, à ne pas contester l'autorité du premier ministre en place. Laissez-le continuer avec ses collaborateurs son travail de diagnostic pour l'édification de la nation. Que la raison l'emporte sur les intérêts des groupes et l'esprit de parti. Apprenons à régler les contentieux économiques et politiques devant les tribunaux et non pour les âmes patriotiques. Salutations. Mettez à lui qui Genève. Alors, mettez à lui. Ok. On va faire commenter sur ça, non? Et je ne sais pas qu'on est à qui est sous ta entrée, sous. Puisque ah oui. Matin, moi, pourquoi faire. On tire à aller. Non. C'est comment on passe et nuit là, comment on va connaître. Bon, avant que nous entrions avec mes doigts, nous illustrons. Je ne sais pas, nous avons le point sénateur Edo. Allez, on va le point sénateur Edo. Après, nous avons le point quelques réactions. Nous illustrons. Sur un sac passé, bien entendu. Nous allons aller directement dans le sud-est pays avec le sénateur Edo Zeni et qui lui-même nous gagne un sénateur avec nous. Là, nous allons aller avec le sénateur un petit moment, font un sénateur. Là, qui prend le bon nom, réactionner par rapport avec Zach. Moi, bien content que je prenne le temps de réaction. Bon, un ancien sénateur. J'en dis sénateur. Et je suis content pour me tendre des réactions sénateur parce que hier, moi, il dit que Gonsel Kay, une seule institution qui est légitime là-dedans, je ne peux pas comprendre comment faire jusqu'à présent sénateur de la République. Pourquoi je me dis rien? Alors, le Sénat a une note, l'idée. Bonjour, sénateur Edo Zeni, comment nous y est? Et bienvenue dans l'émission Matin Débat. Merci beaucoup. Bonjour Josué, bonjour Pierre à tous, bonjour à Luco qui n'est pas présent. Et bonjour à toute l'équipe de la GFR. Et d'abord, et après où fin recevoir nouvelle ça, à qui sentiment ou levé le matin hier après où fin apprendre et Zach assassinat sous un président République là Jovenel Moïse. Bon, premièrement, à 2h30, 3h du matin, l'heure et les moyens, on me dit, mais c'est pas possible. Et un président de la République ne peut pas être assassiné. Avec toute sécurité que la CANI, USP, l'équipe devant la CANI, on me dit, bon, faut appel. L'homme, il m'a dit, je dis qui est, l'homme, il m'a dit, oui, exactement, le président est mort. Assassiné. Et on me dit, il y a un problème dans ce pays. Et qui ça qui peut passer au président avec toute sécurité, avec toute ça à la CAIDI? C'est un commando. Un commando qui vient, même si on commando, un commando. Un commando. Haïti, son petit pays, et pas les nationales tout près, et puis les variants blocus. Les tout près, il y a quelques, peut-être 10 minutes de voiture. Ainsi de suite, je ne comprends pas. Vraiment, soirée ça, vraiment, regardez, tout le monde était passé dans la tête. Si je dis que je suis haïtien toujours, si je dis que je suis moun toujours, si je regarde pour moi, si je ne comprends pas dans DM,
Parce que je me suis dit par un compte que Haïtiens, nous sommes des bêtes et nous pas monde. Parce que l'on attaque le président de la République, vous n'attaquez pas M. Jovenel Moïse, et de regretter mémoire, ou attaquez la République. Ou attaquez la République. Et parce que l'un des commandos armés qui sortent de l'autre côté, soi-disant, parce que mettez entre guillemets, et viennent tuer un président de la République, au moins avec l'aide de sécurité, lui. Parce que même moi, je suis un sénateur, ancien sénateur, nous sommes qui ont une capacité de réflexion. Même de la caméra, là, comment c'est sénateur, au monde qui travaille dans le business, pour ne rentrer la caméra, faut tuer 2, 3, 4 sécurités comme de la caméra, et pour vraiment l'air, même si on a 25 nègres, faut qu'il change. Faut qu'il y ait un cap boué, faut qu'il y ait un petit cap boué, faut qu'il y ait même le tarif ici, pas prendre. Donc, je ne pas comprendre. Et je dis à chaque qui fait mal, l'histoire de Jovenel Moïse, c'est pas seulement la mort de Nexa. C'est le président moins et le président pays, hein, c'est la façon de nos politiciens sont en train de réagir. C'est la même chose pour Dessalines, le tuer Dessalines, je dis nous dans l'histoire, c'est ramasser, ramasser morceaux, et à l'intérieur, son monde fou, bah oui, qui était ramassé morceaux, c'est la même chose qui est arrivée. Jovenel Moïse est en morgue, ils l'ont morgue, et puis il y a bataille pour pouvoir. Encore une fois, je m'excuse de dire ça pour les morts. Qui te baille pour mon qui te baille, Gignon, vive François Duval. Je regrette, mais c'est la vérité, c'est une grande vérité, et maintenant je commence à comprendre ça que François Duval est fait pour le caquer des pouvoirs, et nous sommes en train de répéter les mêmes choses, nous sommes en train de travailler sur perpétuel recommencement, nous toujours même côté, et qui paye? Qui monde qui a payé, c'est le peuple. C'est le peuple qui a payé. Donc c'est ça. Et puis c'est Haïti, c'est notre fierté. Si nous perdu, nous avons perdu, Là, nous, là, pour 40, 50 ans encore, Babouéli, ou petit moins, qui peut-être pas prêter la PIA, ou la Joudia, qui peut-être pas prêter la PIA, mais qui va payer les frais, qui va payer les conséquences, même 50 ans plus tard. Et sénateur Edozeni, ou alors se parler là de dans commencement dans début intervention là et défaillance qui t'a gagné dans sécurité et président, mais étant que un homme d'état que vous êtes, sénateur de la République, ancien sénateur de la République et chef de parti politique, sécurité président, est-ce que c'est par contre qui est-ce qui gagne droit à chambre ou du moins la caille président côté l'abdomen en même dans sécurité comment ça fait comment entourage ou du moins côté président vivre comment sécurité l'organiser bon vraiment je suis pas un expert dans ça mais ça me cadou seulement c'est que une équipe proche président c'est USP et c'est Nexa qui gagne accès. Par contre, si tu as accès à entrer dans la chambre du président, mais qui tu as accès, qui est capable d'entrer plus près du président. Parce que l'USP est supposé dormir normalement derrière la chambre du président, quel que soit le côté président. Et à ce que je sache, et par contre, si Jovenel, comme Jovenel lui-même, tu as peur, et c'est ça que fait le président Aristide, un côté que nous ne comprenons pas, mais je dis, afin de commencer, une capacité de réflexion pour nous comprendre, le président Aristide te prend blanc. Vin bal sécurité, nous tout est joué, mais maintenant nous déjouer tout, mais je veux dire, je ne vais pas jouer encore. Parce que je pensais que le président Aristide était en ouais, que n'est pas réel, il t'a trahi. Et ce n'est pas réel, il t'a battu voisin. C'était n'est pas réel, il t'a coupé Thomas Sankara, il t'a trahi pour Blaise Compaoré. La même chose pour Mobutu, qui trahit Patrice Lumumba, si je ne me trompe pas, ainsi de suite. Donc, ainsi de suite, on n'a pas qu'être notre chef d'État en Afrique, c'est des nègres qui étaient préo, qui étaient plus préo, qui étaient frères, qui étaient tués. Donc, le président Aristide a compris. Et ça fait, le président Aristide est encore en vie. Ouais. Duvalier, lui, il a compris. Il était mangé un nègre avant de manger. Et ça, le pays. Et nègre était suspect. Et qui t'a pas le manger, il mangeait. Et même nègre, qu'on nègre t'a dit, monsieur, t'as pas le fait de bain, même si c'est pas de vrai, Duvalier était mangé. C'est ça qui est contingent des autres sur Duvalier. Mais en fait, Claude Duval y a raison. Mais pour son bâtiment, je ne sais pas vraiment, parce que je connais que l'SGPN, normalement supposé, depuis devant barrière avec 4 teams,
rivé dans la cour président, tout cas là, nous sécurité, ni devant ni derrière, mais à l'intérieur de la maison, ce n'est qu'en version que barre une tombée, par exemple qui blessé, qui t'a supposé par premier balle avant que le sous-président. Oui, alors d'abord, je pose une question ça, et sénateur, et pas gagné, yon blessé, bon côté et sécurité et président, et ça, alors, on paquet de thèse. Ça que nous pas voulez évoquer yo et pour ne capable pour la justice les trois bonnets pour évoquer ça pour quitter la justice capable faire travail li mener enquête pour mener et pour capable joindre coupable mais ça intrigue un peu le monde que pas même gagne un blessé bon côté et deux bagages je gagne deux bagages gagne deux bagages là-dedans ou bien négocier dans quoi ou bien négocier pas être bonne là chez devine la police pour grand goût. Si vous n'avez pas de grand goût, même il y a des pères, même il y a des gens qui ont fait la paix, ils ont fait paix sans conviction. Sans conviction, ils ont fait pour grand goût, midi à toi, puis ils ont entré dans la paix parce que le père a un gros tige pour qu'il ait mangé, ainsi de suite. Il pour pasteur tout, il pour grand tout, il pour tout. Et la police, il y a deux bagailles là, pour le peuple, là, pour la population, pour le monde haïtien, côté nous, les capitaines de radio, et matin, débat, je veux dire, il y a deux bagailles. Ou bien, il y a encore des CD lâcheux. Parce que normalement, 25, 26 n'est pas qu'à président. Dans aucun pays, dans l'époque qui peut, on est entraîné à l'extrême, nèg qui supposé à suivre le président, il faut qu'il entraîne aussi bien que nèg qui pouvait prendre le président. Ça veut dire que 26 nèg pas qu'à prendre le président. Mais même était test de complot. Il a été livré. Le président a été livré. Le président a été livré par une autre barrage. Ou mettre quoi? Le bal fini. Le président a été livré. Livré. Parce que j'en bats. Même pas besoin là. On n'a pas besoin là. On n'a pas besoin. De pour que capacité de réflexion. On fait deux réflexions. On dit un, négo sur le bon lâche. Ou bien, deuxièmement, négo et la complot. Pas final. Pas rien d'autre bail. Pas rien qu'un monde, ni premier ministre, pas bien venu. Pas bien qu'on dise premier ministre. Pas bien qu'on dise. Qu'on y a là. C'est pour l'État et aussi l'opposition pour mettre tête ensemble. Parce que matin, on me dit, sénateur, sénatus, on collègue ça. Moi, je dis, écoutez, sénateur, et je vois un message d'Ali, parce que je vois un message d'Ali, moi, je vois un message d'Ali. Je dis, sénateur, sénatus, ne jouissez pas de la mort du président. Ou bien, ne riez pas, ou bien pas jouer avec. Parce que prochain, c'est où? Parce que, au sujet à être président de la République. Moi, sujet à être président de la République, ou sujet de voir faire politique, n'importe qui là, on a accident qui a passé, ou bien, ou on va passer dans le pays, et puis c'est où qui devant maintenant, et puis c'est au plus préparé, au plus bon, et au peuple à faire confiance, et pour voir presque arriver président, pour arriver président. Eh bien, il faut éviter, après, pour ça ne pas arriver, à prochain président de la République, à prochain monde qui a fait politique. La politique doit être un art. La politique doit servir, c'est pour nous servir à politique pour le bien-être de la population. Nous ne pouvons pas servir à politique pour le bien-être de nous-mêmes, de famille, de madame et de prêtre de pouvoir, parce qu'il faut prêtre de pouvoir. Non, sénateur Edo, ça veut dire que dans sa sénateur, tu as écrit ou tu es réjoui sans cela? Non, non, si je me dis que je ne pas ça, je ne vais pas dire ça comme ça. Et pas ça, je dit. Mais on veut dire que, pas bien que sénateur, c'est dans l'opposition. Ok. Donc, depuis avant que je vienne mourir. Donc, l'opposition, il parle comme. Même genre, on ne parle pas dans l'opposition. Ok. Donc, si je me fais erreur, je m'excuse, je ne vais pas dire rien de mal sur le sénateur. Nous, tout éclaircis. Ouais, non, pas ça me devine, mais je voulais faire comprendre que la parler en tant que politique, mais ça peut le faire, la vie est là comme si en opposition. Okay. Ce qui est normal dans un sens, mais même qui parle opposition, et qui meute dans un sens, qui aime mon pays tout, même j'en ai de l'opposition qui aime mon pays tout, mais à sa façon, mais même moi j'aime mon pays à ma façon. Okay. Donc maintenant, même j'aime peut-être Steven Benoît matin, hein, c'est écœurant. Maintenant, si je viens de nous matin, hein, c'est on est qui a toute valeur pour moi. Je dis en bas zéro.
Parce que là, nous sommes pas en moment de guerre. Le président est mort. Il faut que tout le monde s'asseye et réfléchisse pour l'avenir de ce pays. Nous n'avons pas réfléchi pour nous pouvoir, monsieur. Vous êtes que des cons, que des nigos avancés, que des vauriens. Nous n'avons rien en pays. Laissez ça maltraiter, nous maltraité tout petit peuple là, tout le monde qui est dans la rue. Nous n'avons pas traité, mais même qui sont commerçants. Je n'ai pas rien pour me faire parce que la vie continue. Le président est mort, il n'aurait pas dû, ça n'aurait pas dû arriver à la nation, à la République. Si c'est arrivé, maintenant il faut trouver les coupables. Il faut que tout le monde chita pour nous dire de venir de la République. Comment qui ça nous va le faire? Mais c'est tout le monde qui peut chita ensemble pour nous discuter. Pas qu'à faire de Petro-Caribé, on mettait ça sur côté. Pas qu'à faire de crime, c'est dit, mettez ça sur côté. Et il y a mon qui dit, oh oui, président, c'est un crime joli. Mais non, il n'y a aucun problème. Et dans tous les pays du monde, il y a des crimes. Aux États-Unis, c'est bien 150 personnes qui mourent là, 4 juillet, ils ont tiré. Ok, dans tous les pays du monde, ça arrive, aucun problème. Mais maintenant, il faut laisser toutes ces choses de côté et pour voir la République, il faut sauver la République. Pas rien d'autre parole. Après ça, on a fait procès, on a entamé pour faire procès, puis au Caribé, mon guide mourir, ceci, et dame la peau diable, jeune qui fia, et tout. Mm-hmm. Et tout le monde qui mourit pour rejoindre, ça aurait justice. Oui, mais maintenant, il faut prioriser la République. La République, il faut prioriser parce que faut nous bailler le monde entier ont l'autre image. Parce que là, moi, dis-nous, nous craser l'image Haïti pour 50 ans. Pour 50 ans. Mon qui content que Jovenel Moïse, ce sont des imbéciles, des nigos avancés, des niaiseux, des monde qui comprennent des cons, des monde qui comprennent que la mort du Jovenel va arranger. La mort du Jovenel n'a pas pris en rien. D'ailleurs, le problème n'était pas seulement Jovenel. Le problème de Jovenel était pour l'opposition, le radical surtout. On a connu, on ne pas négocier à Jovenel comme si Jovenel c'était notre pays. Jovenel n'est pas notre pays. Encore une fois, mon frère, c'est ça, même prioriser la République. Et je vois toutes les bagailles. Et alors, madame, comment pour avancer là? Comment, qui ça que tu as dû faire pour nous là? Le président Ligueta mouri, il est assassiné. Faut jouer une justice, faut gagner justice, même si tout le monde qui est mouri, assassiné. Et qui ça doit faire là? Qui ça doit priorité des priorités là, sénateur Zeni? Priorité là, c'est la République. Il va l'autre bagaille. C'est la République. Il faut que tout le monde chita ensemble. M'a dit longtemps. M'a dit depuis 2011, depuis que je suis fait sénateur, je suis au Sénat de la République. Et moi, je suis en bataille contre Michel Martelly. Ce n'est pas une bataille contre ni ce qui a passé dans la société, ni l'État, ni la structure de l'État. Ce n'est pas une bataille. Mais son bataille peut être jeté Michel Martelly et pour prendre le pouvoir. Nothing. Rien d'autre que ça. On ne peut pas faire politique. Nous, politique, doit être un art. Le politique, quand vous faites de la politique, c'est pour servir. On va faire politique pour servir tout. Il faut faire de la politique pour servir. Pour servir la nation, la République. Il faut élever, il faut lever, il faut lever et sentiment, il faut lever estime, il faut lever prestige nous en d'un pays pour que demain matin, même 20 ans plus tard, l'OAI s'est pas son côté pour dire waouh, dès que ça sort loin, ils vont côté bravo. Jodia, il faut que tout le monde, attendez, non? Donc c'est peut-être ensemble qui doit priorité à là, tout secteur, tout et quelque soit tendance politique ou c'est peut-être ensemble qui doit priorité à un moment. Pas rien l'autre bagarre qui pour faire avancer, pour qui pour faire respecter nous, il faut que tout le monde chita sur une même table, tout le monde net qui pour chita sur une même table pour définir l'avenir de la République. Pas rien l'autre, pas une étant GPA, je vous dis ça. En fait, des copains nous garant GPA, même des débats jeunes de l'État, samedi soir, mon émission. Allô, sénateur, chaque samedi, dans la radio. Et regardez, samedi soir, après l'émission, le président m'a appelé pour me parler de quelque chose d'autre. Et là, je suis en train de faire 3 ans pour parler à la président. Je parle à la président depuis 2018, fin 2017-2018. Le président, dès qu'on est les mains, il a un moment de vérité, il m'a répondu. Parce que dès qu'on dit à président, il va dire l'argent, dès qu'on dit le pays à président. Le président passé à côté, il dit bon, je la donne pour ne pas porter chai pour lui. Mais j'ai eu des problèmes de santé, coronavirus, j'ai été à l'hôpital, à mes balais, que je salue tout le monde, balais, oh, les docteurs, les médecins, mon petit personnel, je salue tout, pour encore une fois, je les remercie. Moi, je dis au tout, moi, je dis au président, m'a appelé pour me dire, bon établissement, et si j'ai besoin de quelque chose, je n'ai pas besoin de travail pour ne pas besoin de monde. Donc, le président, je vais le faire, j'ai ça. J'ai apprécié, et j'ai des nègres qui me font manger, j'ai des nègres qui me font chef, j'ai des nègres qui me font monde.
qui va même prendre 100 fois pour te dire, sénateur, comment vous allez. Mm-hmm. Donc j'ai respecté ça, j'ai apprécié ça du président de la République, et m'dégaine presque un an depuis que j'ai commencé par la présidente. Et ce samedi soir, le président m'avait excité, énervé, contre vue. Et puis, bon, il y a quelque chose qui ne m'a pas parlé, mais nous avons discuté d'un bagage économique, d'un bagage business, et puis le président m'a dit, n'est-ce pas barré de tous côtés. Pas de côté, il va barrer. Le président m'a dit ça personnellement, il m'a dit que, il va barrer de tous côtés. Il a besoin de machine pour parler national, il va pas acheter. Il va barrer de tous côtés, par exemple, qui m'a dit de café. Donc, en fin de compte, la vie dit à l'Ouest, et tout le monde dit que le président, parce que le président est barré, il est barré, il est barré, tout. Fond d'accord tout, fond d'accord que le président s'est fait empirer en disant qu'il va faire ceci, il va faire cela, mais il n'avait pas les moyens, donc il n'a pas les moyens politiques. Donc ça a été perdu estime plusieurs côtés en dans les communautés, en dans les zones, en dans les pays. Mais en fin de compte, moi-même, je suis sénateur, je suis parlé pour me dire que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nous avons bloqué le pays. Dans le dernier moment là, je ne vais pas citer de nom. Il y a quelqu'un, il y a un monde dans le pays, il y a de grandes familles qui n'ont douane, qui n'ont port, que le président fait prendre. On bagaille, bon, bah bien dit, on bagaille là, que tu es qu'on fait en dedans, que tu es qu'on fait en dedans, que les gens, les familles, ça a été qu'on fait entre 2 et 3 millions de dollars par mois. Le président fait prendre de remettre l'étal. Ça veut dire que les choses ne sont, les choses. Va y pas petit si j'aime mon problème là. Son monde qui vient à tuer un président dans la cabane, écoutez, casser deux points pour petit tapon, pété les yeux pour sa loi, casser deux pieds pour le barrière machin encore, écoutez, mais même j'ai souvent dit, quand le président n'avait pas peur, moi j'avais peur. Et quand ça arrive dans mon pays, c'est pas peur encore, je pas peur pour moi parce que je vais avoir mes 52 ans, président de 53, je ne suis pas prêt parce que mes enfants ont. Et puis, Pipiti a rien 4 ans, nous avons mis avant de sortir dans la mettre un côté avant de mourir, si bon Dieu pas la vie. Mais certes, il y a eu des choses dans ce pays que le président a voulu faire qui menaient le côté de là. Mais finalement, ça, je n'ai pas eu trois gouvernements pour me dire c'est regrettable que c'est arrivé à M. Jovenel Moïse. J'envoie tous mes sympathies à la famille et Moïse, et à sa femme, à ses enfants. À tout le monde qui était Emmanuel et même à tout le monde qui n'était pas Emmanuel parce qu'il était quand même le président de la République. Bon. Merci un peu, sénateur. Sénateur. Allô? Sénateur. Sénateur Edo. Oui. Ok, donc, quand on finit avec phase. Bien matin. Oui, on finit à phase côté. Allô? Bon, et condoléances à la famille présidentielle et tout ça dit, mais où c'est partisan de la vie. Et comment la vie pour le reprendre? Comment on comprend équipe, en fait, une équipe quand même qui a pas assuré. Est-ce que Jean en pile moun comprend équipe la gen tan monté sous problème et est-ce que bagay yo clair pour vous, Jean et en fait est-ce que m'ka di premier ministre Claude est-ce que m'ka di ministre affaires étrangères en tout cas ministre affaires étrangères là qui occupe en place je dis de devant la scène et DG la police qui devant de la scène, c'est normal, DG de la police, c'est normal. Mais est-ce comment comprendre qu'il y a un ministre, un premier ministre qui était à peine nommé? Comment comprendre ça? Bon, écoutez, ma bonne anecdote qui était même personnellement. J'étais maire de la ville, j'ai été à l'élection sénatoriale, j'ai gagné. Et l'aimé, il m'a prêté serment, beaucoup prêté serment, m'a allé m'inscrire pour me prêter serment dans le Sénat. J'ai dû attendre 6 mois, parce que notre élection deuxième tour, je suis passé dans le premier tour. Deuxième tour, et l'aimé, il vit, et puis moi, le sénateur Lambert, et qui est un conseiller de longue date, je lui ai dit, malgré me faire affaire par moi, chaque monde va pas y aller, mais c'est un ami, il m'a dit, écoute, je vais démissionner du poste de maire de la ville. Et parce que je suis élu sénateur de la République, je me suis dit, hey, pour les petits. Tout le monde comprend que c'est moi, ouais.
pour qu'on perde du tout les dépenses. Si vous avez gagné dans le pays, là, on va ni maïsca ni sénateur. Donc, élection à refaire. Et donc, ce qui est arrivé dans le pays, le président de la République est mort, et le premier ministre a eu sortant, qui était dit en remettre Bagayli et tout pour remettre Bayo, mais c'est un cas de politique clair contre le coq. On seul mounoui qui était élu là. Alors, on seul côté élu à y. C'est dans le Sénat. Seul côté. C'est seul côté élu. Donc, si n'a pas fait logique, si n'a pas fait politique, si n'a pas sorti pays à demain, il faut garder le Sénat. Il faut garder le Sénat. Et même là, nous avons dit, nous n'avons pas besoin d'un président. Ou, mais, jusqu'à présent, par de l'autre côté, non? Que le Sénat va nous retourner. Si nous voulons entrer dans une petite classe de légitimité, une petite classe de légitimité, c'est dans le Sénat pour nous regarder. Donc, et, même ça, ce que je pense, et politiquement, et même je pense tout, ça vous dit tout à l'heure, il faut une entente nationale, il faut que tout le monde, vous dit tout à l'heure, chita ensemble pour discuter de l'avenir de la République. Parce que la République, il y a un problème. L'État, c'est toujours un problème. Là, c'est la bague de tous les jours. Et sénateur, mais maintenant, la République, il y a un problème. Sénateur, vous avez deux chapeaux. Vous êtes un gros commerçant dans le pays. Hein? Et vous êtes un homme d'État. Et surtout, la mairie, ça dit gestion commune. Mais écoutez, là, on a parlé de gestion pays. Qui est-ce qui a une signature aujourd'hui si vous avez un qui pour faire? Parce que le pays n'a pas arrêté plus longtemps, là, Gombagay Express, Gombagay décision Express qui pour prendre. Mais qui est-ce dans le pays qui a fait ça? Regardez, je vais répondre rapidement. Et bonjour, regardez pour que l'Haïtien a un problème mental. Et nous avons un problème mental, il faut le dire. Regardez le monde a privé sous Kay Jovenel, là, le président Jovenel, et il dit. Lydie, this is an operation manager deal, DEA. Tout le monde a raison. Parce que c'est blanc. Maintenant, nous avons Mme Laline qui dit que le devenir d'Haïti, c'est le type, c'est le PM qui est là, AI. Bon, maintenant, plus grosse force, ça c'est nous. Nous ne pouvons pas toujours avoir les Américains qui ont été ou bien les Américains qui ont été. Non, mais c'est nous! Qui pas qu'en temps nous sommes bagages qui fait que les Américains qui apparaissent, l'île espagnole, Haïti, le Negnouyo, le Dessaline, tout le monde fait révolution. C'est pas révolution pour Haïti, on fait. C'est une révolution sous l'île espagnole. Maintenant, l'île espagnole a vient découpée en deux morceaux, Haïti et la République dominicaine. La République dominicaine, font route, nous-mêmes nous aidons. Donc maintenant, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Pas jamais mettre blanc devant, ou dire blanc forcé. Vous n'êtes rien. Vous n'avez rien dans ce pays. Et si nous disons en créole, regardez, Kounia là, Madame Tibaï qui pas bêtise, mais c'est le mot vulgaire. Mamdou, même mon caca cochon, on va pas faire un bon caca cochon dans le pays. Donc, c'est pour vous dire que longtemps, c'est qu'on a un caca cochon fait, pour moi, dans le monde, en grès. Quand il y a la même cochon, on va manger, donc il va bon caca. Écoutez, parce que caca baisse de la décision. Donc, Mamdou, il faut encore une fois que nous chitons pour nous montrer, nous c'est monde. C'est pour nous montrer. Les Américains, le Canada, la France, l'international, que nous sommes monde. Nous toujours montrer que nous pas monde. Et puis nous voulons traiter nous en monde. Il n'y a pas qu'à traiter en monde, sous pas monde, sous pas être tête ou valeur. Ouais, même moi, je suis dans le Sénat. Qui n'est qui a dit ça? Il n'y a pas de politiciens, mais qui n'est qui s'en mis, qui fait perdre la politique, qui comprend le gardien, nous initier, nous initier ça. Mais après ça, on n'a pas besoin au côté. Ou même droite et deux unités entrées. Et moi, même pas de plan, ou parti en le Sénat. Si je parti, je ne suis pas à la jambe, avec. Si sécurité, je ne suis pas payé pour ne pas faire mon pays. Je ne suis pas au minimum. Au minimum, pour ne pas dire le maximum, pour me faire mon respecter. Donc, je dis, avant de faire mon respecter, non, en dans le monde, pas Haïti, non, je parle, en dans le monde, surtout la République dominicaine, faut nous faire respecter, non. Pas pour cause.
nous tout parlons la caillou là, nous cacaté, nous fait caillou même j'ai Haïti. On fait pas que ça le brin en pays, nous ne puis nous dit nous raciste. Nous n'est pas raciste, 70% de Dominicains nèg noyé. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire qu'il faut commencer par tête nos valeurs. Valeurs que bon Dieu ba nous, valeurs moun, valeurs sociales. Même nous n'avons pas l'argent, en dans la carrière propre, en dans la carrière belle, au cas bien habillé, nous n'avons pas besoin qu'on soit, c'est mise au passé. Donc écoutez, et encore une fois, je le redis et je le redirai, parce que tout le temps, radio même, je parle, m'a dit qu'il faut une entente. Il faut que tout le monde s'assure pour le devenir d'Haïti, de la République. Pas rien, route, pas bois. De vous comprendre, Sénat va le prendre pour compte. Et puis, les radicales, ils auraient dehors. On dit, Michel Abidjan, ils ont fait tout côté, et ainsi de suite. Et si jeune, si mon, ils comprennent, c'est eux qui espoirent d'Haïti. Et puis, ils vont dans le pays tout crasé. Faut que un grand monde, pour dire, mais ils aiment des faits, pour ne pas passer là. Faut que un grand monde, comme conseiller, quand même, beaucoup trop. Donc, écoute, il faut que tout le monde chita ensemble pour nous sortir du pays, 20 ans plus tard, 10 ans plus tard, pour petit nous capables d'être là, à manger, dormir, pour que pas un ISO, pour que pas un Ken Lotte encore qui propose que c'est parce que pas de jeune travail qui fait tout le monde, y a battre le monde, y a craser le monde, y a ceci. Non, c'est pas vrai. C'est le monde qui fait ça. C'est le monde qui voit l'argent, c'est le monde qui voit les âmes, c'est le monde qui fait ça. Donc, écoutez, je dis à fond de baïmoun yo destiné yo. Fond moun yo capable de choisir. Nous pas qu'à l'on pays, nous pas qu'à choisir. Nous pas qu'à l'on pays, si nous même pas si nous pouvons partir. Nous pas qu'à l'on pays, sous nek d'où tu yon moun pour 20 000 goud, pour 100 000 goud, ou pas même réfléchir, nous grand goud la kawo dit. Il m'a prêm, il m'a prêm. Même tout yon, non. Ou pas ouè vie moun non quoi. Il faut que nous baïmoun yo responsabilité moun yo, baïmoun yo personnalité, refait Haïti, reconstruit Haïti. Par exemple, sous la République Dominicaine, fait moun yo vin moun. Donc c'est à partir de ça que même qui m'a pas besoin de barrer la cour là quand parce que me songer sous du valier papa m'habiter son carotte et il pas barrer et pas que mon qui était osé entrer en dans la ni pour venir voir c'est toujours un voleur mais pas de barrer ça si voleur ou pas de problème vraiment sous du valier et ça fait l'aimer aller par du valier à venir mais dit que faut nous responsabiliser moun du valier était du même seul la République, magistrat, président, sénateur, député, tout bagaille. Mais Duvalier avait ce côté, on parle avec une nègre qui était bon par la Kounia, l'allée qui était Haïti. On parle avec une nègre qui était marron sur Duvalier, parce que c'était une nègre qui était tué dans l'officier. J'ai oublié son nom, il est de Jacmel, et il était venu faire 5 ans Jacmel là, et il devait passer des missions dans le palais. De Duvalier, mais seul bagage, M. Dim, c'est pas courir, Duvalier t'a tué. Je cherche pas l'idée qui t'a courir, M. ton colonel. Et bien, M. Dim, la seule chose que Duvalier avait, François, je parle, que François Duvalier avait, il était un homme d'État. Il était un homme d'État. Même si après tout le bagage, il t'a tué, il était pour pouvoir, il était fond de monde pour pouvoir, il était volé, bagage, n'importe ça, il dit, aucun problème. Mais il était un homme d'État. Et pas même dire, c'est un nègre que Duvalier t'a pas tué, ou ancien colonel de l'armée, qui courit et qui diminue personnellement. Donc, c'est ça, il faut que nous priorisions la République. À faire des petits groupes, nous avons décidé de matin, qui a parlé, pas même qui a marié ici, Fanny, pas même qui a parlé, même, Abdou Barret Tintin, bon, Sylvain de Doua, encore une fois, était mon collègue, que j'ai aimé pendant avant mon parcours comme sénateur, il était député, son aigle était absurde, nous vîmes sénateur beaucoup de son aigle était admiré. Mais faut Steven me songer, je vous dis à la, il fait partie de la crise aussi, parce qu'il était bataille pour le ministre aller. Et même personnellement, quand j'étais sénateur avec lui, je lui ai dit que, écoutez, nous ne pouvons pas aller, non? Pour le ministre aller. Nous ne pouvons pas aller, non? Faut préparer le terrain, nous, la police, nous, tout le bagage, nous, avant le ministre aller. Et bien voilà, le ministre est parti, le président est mort au pouvoir, après 1915, depuis 1960 ans plus tard. Un président est mort en 2021, pendant que l'écologie, pendant que tout le monde avançait, le président est mort, et pas de monde qui était, ou elle tape, monde tape bien joli, pas de monde qui a la mode pour elle depuis un kilomètre, n'est pas bien joli, ou le président n'a pas bien ni, il faut préparer les 10 ans plus tard, les 20 ans plus tard, parce que Haïti ne peut pas mourir. Après l'assassinat du président Jovenel Moïse, ce qui menace le pays, c'est le chaos total. Le chaos total qui s'annonce déjà avec une bataille
que nous voyons qui déjà lancé au niveau des deux premiers ministres qu'on soit bien désigné là véritablement. Je voudrais dire en tant que sénateur, co-dépositaire de la souveraineté nationale, qui était élu par la population. J'aime dire à l'Assemblée des sénateurs, il n'est pas capable de camper gâté. Si pendant longtemps, il y a pile d'erreurs qui fait, un pile sénateur va prendre responsabilité, et c'est peut-être ça que nous ne pouvons pas dédouaner, nous, de ce qui a passé là. Je pense que, en étape ça, il est extrêmement important, parce que nous sommes les seuls élus légitimes qui partagent souveraineté nationale là avec pouvoir judiciaire au regard de l'article 58 de la Constitution. La situation est extrêmement difficile du point de vue juridique, j'en suis posé là, parce qu'en fait, moi-même, la première chose à dire, c'est que je suis vraiment étonné par le comportement du premier ministre démissionnaire, Claude Joseph. Pas comprendre, pété couille que le faire. Et moi, je pensais que ça n'a pas aidé véritablement. D'un côté, je suis d'accord que, par émotion, même là, quand même, c'est ça que là, tout, premier bagage qui inspire, non, c'est crier dans mon président Jovenel Moïse et peut-être concentrer pour empêcher, pour joindre le monde qui a assassiné lui. Mais de notre côté également, de par notre responsabilité en tant qu'homme d'État, on croit que par rapport à la fragilité de la situation et les entorses juridiques qui existent dans l'application de l'article constitution, qui était prévoir constituer situation ça, tant qu'article 148, article 149, on croit que personne ne monde pas qu'on a fait péter courir avec situation pour compliquer davantage qui était déjà compliqué. Parce que l'article 148 pas qu'à appliquer encore parce que l'article 148 là en fait pour population encapsulée. Donc nous sommes dans un cas de vide institutionnel avec constitution 87 amendée qui était différent de constitution qui pas amendée qui était prévoit des juges au niveau de la Cour de cassation. À un certain moment de l'histoire, on comprend que confier les juges qui ont un réflexe ritualiste, un réflexe codiste, un réflexe procédurier la gestion politique du pays qui aurait tiré, et on dit n'a pas soit premier ministre ou bien et président de l'Assemblée nationale à un de monde. Mais qui leur dit n'a pas premier ministre géré, c'est article 148 là qui dit ça. Mais cependant, il dit que en raison de la compétence rationnée temporis, si l'article 149 là vide ça, une crise va. Vite, ça a créé les vacances parce que le président mourit. Là, c'est pas le président mourir, c'est empêcher l'empêcher son empêchement. Donc, c'est pas qu'à ça, article 148. Mais lorsque c'est mourir, il y a les vacances présidentielles. Et puisque il y a les vacances présidentielles, c'est dans l'article 149 qu'on a joint le troisième paragraphe. Article 149, là, dit que le président mourit comme ça, c'est le président de l'Assemblée nationale là, qui doit élire. Il y a un nouveau président qui gagne pour et rempli pour organiser l'élection jusqu'à réalisation élection pour nous nommer l'autre autorité pour venir diriger le pays. Donc à partir de ce moment, moi-même, moi crois que honnêtement, je crois que ces deux ministres ne sont pas compétents, rationnés personnels pour exercer la fonction de premier ministre parce que d'un côté la lettre de démission de M. Claude Joseph, circulée déjà, et de vous démissionner, c'est selon nomination pour avoir retourné en fonction encore. Or, personne ne l'a nommé jusqu'à présent. Nous avons M. Ariel Henry qui bénéficiait de une nomination par arrêté, qui publiait dans le journal officiel, mais cependant, il y a un empêchement quelque peu parce qu'il n'a jamais investi dans ses fonctions. Donc, on est en phase d'une situation de crise au niveau du pouvoir exécutif qui rend inapplicable l'article 148 ou 149 de la Constitution. Donc, l'article 149, là, tout, on pourrait se rabattre sur le Parlement, mais cependant, avec honnêteté, je dois reconnaître qu'il y a des entorses fondamentales à l'application de cet article également, parce que pas qu'une chambre députée a du tout, et nous pas qu'une deux tiers de lui-même qui fait que la formation de l'Assemblée nationale, la mise en œuvre de la, est matériellement impossible. Étant donné l'impossible, je veux dire, il est clair que l'on doit rester le plus proche que possible de la normalité constitutionnelle et tenir compte de la réalité politique. Ce qui signifie que pour moi, en tant que vice-président du Sénat de la République, la position d'une grande partie de la communauté internationale et surtout des Nations Unies, moi, je crois que ce sont des vœux. Ce sont des vœux parce que, par exemple, ni à constitution PIA,
ni à réalité politique que nous vivons aujourd'hui. Réalité politique que nous vivons aujourd'hui montrer que même par respect pour le cadavre de Jovenel Moïse, nous devons faire ce dépassement de soi pour nous joindre le compromis nécessaire pour nous rester le plus proche que possible de la normalité constitutionnelle, pour nous capables de réunir les secteurs vitaux de la vie nationale, pour nous monter un gouvernement de consensus qui reflète le consensus de plusieurs secteurs et qui va organiser l'élection que la communauté internationale et pays attendent. Sénateur Kedle Augustin. Oui. Alors, dans le point parlement, ça dit, hein, alors, dans l'article, c'est pas alors, l'Assemblée nationale, c'est élection que l'État va le faire, mais c'est pas le choix du président de l'Assemblée nationale qui va le remplacer le président. Non, mais c'est pas le choix du président, Il y a pour lui-même, il fait élection pour, au second degré pour élu au monde. Exactement. Ouais. Et ce qui est matériellement impossible pour le moment. C'est matériellement impossible, c'est pourquoi je dis que ce qu'on peut faire, c'est de nous laisser guider par l'esprit démocratique. Mm-hmm. Et quand on parle de l'esprit démocratique, on ne peut pas écarter complètement la Constitution, quand on ne peut pas l'appliquer entièrement, on doit tout au moins s'acharner à retrouver son esprit. Je crois que l'esprit de la Constitution, c'est de faire en sorte que des autorités qui ont une certaine légitimité, de combler le vide. Et autorité, seule autorité qui a légitimité, ça, je dis, là, c'est le Sénat République, là, avec disparition, avec assassinat président. Je dis, là, donc, son sujet là, c'est à que, et sénateur, et le président du Sénat, et c'est le tiers restant du Sénat qui, lui-même, là, fait partie de c'est lui-même, en quelque sorte, qui est constitué, et groupe, ça, qui t'a représenté, et groupe qui gagne, et légitimité, parce que c'est lui-même qui sortit dans l'élection. Donc, on t'a suggéré là, c'est à, le président Lambert qui t'a pour remplacer le président Jovenel Moïse, c'est ça? Cela veut dire, cela m'a pas fait fuite en avant, mais cela veut dire que mes collègues sénateurs, les 10 sénateurs, ne peuvent pas fuir leur responsabilité face à l'histoire. Parce que au bout du tunnel, qu'est-ce qu'il y a? C'est on menace de l'insécurité, on menace le renforcement de l'insécurité, ils ont des ordres, ils ont bataille qui a continué entre deux premiers ministres, parce que moi, on tweet côté premier ministre Ariel, dit que lui-même, M. Claude, c'est un membre d'un gouvernement. Ce qui me rend extrêmement triste, parce que quand même, Jovenel mourit, donc moi pas senti mal à l'aise comme si pour nous bataille comme ça. Mais en tant qu'homme d'État, pas qu'à dire m'a quitté le pays après aller n'importe qui j'en tout. Mais moi senti, moi pas appelé pour m'apporter mon débat côté mon petit Jean. C'est difficile. Non, donc, comme si c'est comme ça. Qui est-ce qui avait un président pays et puis comme si pour mal mon bataille. Qui est un bon gourmet là pour pouvoir alors que président vous comme même frette même. Et c'est un signe qui montrait que certainement la solution ne peut pas venir d'ici. Parce qu'il n'y a pas aucune légitimité. Légitimité, M. Ariel, c'est président Jovenel qui balle. Légitimité, M. Claude Joseph, c'est M. Ariel, c'est M. Jovenel qui balle. Et Joseph, c'est président Jovenel qui balle. Donc, il n'y a pas aucune légitimité, il n'y a pas passé devant le Parlement, et ni il n'y a pas de légitimité que c'est président qui était devant Peppa qui nomme. Donc, par conséquent, j'invite une fois de plus les sénateurs à prendre leurs responsabilités par rapport à l'histoire. Pas qu'ils fuient, si nous n'avons pas une majeure. Je pense que si nous n'avons pas prendre responsabilité, non, parce que l'histoire pourra le juger, nous, d'autant plus que, il faut le reconnaître, nous avons été souvent critiqués et des critiques qui sont souvent fondées. Je crois qu'à ce carrefour de l'histoire, le Sénat se doit de prendre ses responsabilités pour sauver ce qui peut être sauvé. En tout cas, et merci un pile, sénateur Kedle Augustin, pour disponibilité à l'émission Matin Débat. Merci Josué, merci Pierre Martin, et puis moi, souhaiter encore condoléances à tout le monde nord-ouest et surtout demander que nous gagnions premier dame en prière. J'imagine déjà psychologiquement, il n'est pas mourir, mais comment la va comporter les témoignages autour, parce que tout cela s'est passé sous ses yeux, donc c'est vraiment horrible. Merci Pierre. Merci. Voilà, c'était sénateur Kedle Augustin, qui lui-même c'est vice-président du tiers restant du Sénat de la République, qui accueille notamment Fonti Palé là, sous Zach Silla, qui lui-même Zach Lassa, et puis qui ça qui doit être fait après, et
ça qui se passe. Bon, Kouliara, c'est bon, en tout cas. Et nous souhaiter, moi-même en particulier, souhaiter à ce que le sénateur fait un bagaille, dit un bagaille. Et José, je ne sais pas qui est sous gain, moi-même, et m'a gagné, donc, mettez doigt nos illus. Hein? José, va attendre. Oui, Jack, pour moi. Et mettez doigt nos illus. C'est lui-même, moi, supposé gagner. Et là, bon, me garder. Et mettez doigt, bonjour. Bonjour, bien matin à toutes. Mm-hmm. Bonjour, José. Et si mettez doigt Dorélus. Ah, Dorélus. 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 Et peut-être dans la jour, c'est est-ce que d'après vous même son priorité que vous vivez ça qui a passé dans le pays là, particulièrement assassinat président, ou bien ou sans tout écœuré ou révolté, je ne sais pas. Et bon, comme citoyen haïtien et doublé de avocat, donc nous sommes très consternés par la situation qui vit suite avec l'assassinat du président de la République. Et donc, c'est une situation qui vraiment est regrettable. Et c'est une situation que nous-mêmes nous condamnons à la dernière rigueur. Mmh. Et, mais, moi, j'étais plus voulu faire approche juridique. Mais après, je me suis demandé, l'éminent professeur, qui est de l'Augustin, donc, moi, je crois qu'il est très doué dans cette matière. Donc, je crois vraiment comme si moi, j'ai trop de bagages comme caractère. Tellement du tout, ça me voulait dire. Donc, je crois que c'est extraordinaire l'intervention du sénateur qui est là. Mais, et tout de même, moi, justement, je voulais ajouter quelque chose. Et, n'a pas fait regarder, comme a si bien dit le sénateur Augustin, deux premiers ministres, ils ont tous les deux des problèmes, ils ont tous les deux des difficultés, ils ont tous les deux des gains, et il n'a dit, il n'est pas compétent par rapport à la situation personnelle de chaque. Donc, s'il n'y a pas gagné aucune approche, aucune solution constitutionnelle, il faut retourner justement vers la notion de légitimité. Et la notion de légitimité, qui côté n'a venu justement vers le Parlement. Même s'il est très décrié, même s'il y a tout problème que nous connaissons, mais c'est la seule institution, je vous dis, qui gagne la donne des élus. Et des élus qui justement gagnent légitimité populaire. Moi, je crois que. Et je ne vous dis pas, solution, hein. Les deux fait de façon concertée entre toutes les forces vives de la nation, mais il faut que vous portiez une attention spéciale avec le Parlement, parce que aujourd'hui, c'est la seule institution à travers le pays qui gagnait ce qu'on appelle la notion de légitimité là-dedans. Et moi, un peu essayer justement d'essayer un appel avec le Premier ministre, Claude Joseph, pour moi dire. Et moi, je crois que c'est un peu grave si un haïtien t'a quoi vraiment comme si il t'a gagné affection, bien l'amour et international là vraiment. Moi, je crois que piquer des vents que international là a essayé justement faire avec Joseph là, il fait avec à dessein. D'ailleurs, moi, je crois que effectivement, que ce soit Bini, que ce soit les Nations Unies, j'ai affaire là, il montre qu'il n'y a pas gagné aucun intérêt justement pour payer à gagner stabilité. Et je dis là, l'obtention de la position du secteur démocratique, l'obtention de la position des Diopod, l'obtention de la position de même forum économique là, tout le monde peut jouer, je dis là, faut que solution à les concerter. Et m'a dit, le ministre Joseph, comme haïtien, comme jeune garçon, donc faut que les rentrent dans une dynamique pour que les essayent de chercher. Parce que c'est lui actuellement qui gagne les gilets à la main, il faut lui essayer.